Ok. Alors ça, ce qu'il y a au tableau là, bah, ça devrait vous parler. Parce que j'imagine que si vous êtes normalement à la PyCon, vous avez entendu vaguement de Python. Et bah, l'itération finalement en Python, bah, c'est essentiellement à boucle fort. Hein. On prend des éléments d'une collection et puis on lui applique un traitement. On prend un autre élément, on applique un traitement, on prend un autre élément et on applique un traitement. Et on répète ça encore et encore, un élément par un élément. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on itère. Alors, la boucle fort, si vous avez fait un tout petit peu de Python, ça ne doit pas vraiment être mystérieux. Du coup, qu'est-ce que vous foutez là? Parce que je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez vu le programme, vous vous êtes dit, il y a un mec qui va faire une conf pendant une heure sur la boucle fort. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler pendant une heure uniquement de la boucle fort. Hein. On va aller bien plus loin. En fait, on va voir comment le langage entier de Python et tout son écosystème a été construit autour de ce principe d'itération. Donc je m'appelle Kevin, je suis développeur et formateur Python depuis Python 2.4, hein, ça fait mal. Bref, et je vais vous parler de la philosophie de l'itération. Alors, l'itération à la base, croyez-le ou non, c'est un design pattern. Alors quand on pense à design pattern, on pense à des trucs compliqués. On pense à beaucoup de jargon, on pense peut-être à plein de classes Java, on pense à ces bouquins avec des diagrammes UML absolument partout, et on pense pas vraiment à la boucle fort. Mais en fait, tout en programmation a été, à un moment donné ou à un autre, un design pattern. Vous y pensez peut-être pas, mais quand vous utilisez une fonction, pour vous, c'est une primitive. Mais en vérité, quand on a commencé la programmation, au tout début, qu'on avait nos petites cartes à trous, enfin, moi, je les ai pas eues, quand même, je suis pas si vieux que ça, 2.4, c'est pas si vieux, mais quand on avait les petites cartes à trous, ou alors qu'on avait même l'assembleur, eh bien, au début, il fallait répéter du code encore et encore. Et un jour, il y a des mecs qui se sont dit, il y en a marre de répéter, ce qu'on va faire, on va mettre tout ce code-là là-bas, là, et on va faire un petit adressage mémoire, et on va le récupérer. Des gens ont stocké une procédure, et le design pattern procédure stockée est apparu. Au bout d'un moment, bah, on a créé des langages plus haut niveau, on s'est dit on ne va pas recréer ça à la main à chaque fois, on a créé des fonctions, et aujourd'hui personne ne pense aux fonctions comme un design pattern, c'est intégré dans le langage. Et bien c'est exactement la même chose de ce qui s'est passé avec le design pattern iterator, on l'a intégré au langage. C'est pas nouveau, hein. En fait aujourd'hui on est en train de faire une grosse bataille depuis quelques années avec les langages modernes, à essayer d'intégrer des design patterns autour de la programmation asynchrone. Donc tout ce que vous voyez dans JavaScript, dans Erlang, etc., dans Go, et c'est des gens qui essaient de batailler pour avoir des primitives, pour pouvoir faire de l'asynchrone. En fait l'itérator finalement c'est un petit peu vieux, là je vous parle d'un truc un peu has-been, ça fait longtemps que c'est intégré. Alors quand je dis ça fait longtemps, bah, par exemple, si vous prenez du C, faire des boucles à la main c'est pas très très drôle, et donc du coup bah, des langages de plus haut niveau ont décidé que bah, se taper les boucles, c'est un petit peu chiant. En plus, on risque de faire des erreurs et donc on risque de poser après des problèmes de sécurité ou des petits crash dumps. Donc, bah, les langages dits plus haut niveau, comme Java, ont intégré dans leur stdlib bah, des petites interfaces. Ici, vous voyez iiterable, on ne le voit pas bien avec le rétroprojecteur. Mais ça, c'est une capture d'écran de la doc Java. Et donc, c'est intégré dedans. Si vous avez une classe qui hérite de cette interface, vous savez que vous pouvez demander à ce conteneur le prochain élément, puis le prochain élément, puis le prochain élément. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous vous fichez complètement de quel est le type de conteneur et comment il fonctionne. Vous savez que vous pouvez lui demander le prochain élément. Et ça, bah, c'est sympa. Et c'est tellement sympa que tous les autres langages s'y sont mis. Hein. Regardez par exemple C#. Bon, ils ont appelé ça IEnumerable. C'est pas iterable, mais c'est pareil. On a le principe de l'itération derrière. Et puis derrière, bah, tous les langages de plus haut niveau, ils ont même quasiment bah, sauté l'étape de faire une petite implémentation plus explicite. Là, vous voyez par exemple JavaScript, carrément, on a une méthode qui est appliquée à l'array, et puis bah, on peut se lancer là-dedans. Ruby, bah, exactement la même chose, il y a une méthode, alors dans plus de choses. Ça, c'est pas exactement le même pattern, c'est le pattern qu'on appelle le pattern visitor, mais c'est pas très grave, grosso modo, pour la presse que vous allez voir, iterator, visitor, bon, c'est à peu près pareil. Et donc, en Python, eh ben, on l'a intégré carrément dans la syntaxe. Alors, pourquoi c'est important? Ça, normalement, vous connaissez. Hein. Alors, c'est une petite slide sur Jupyter Notebook. Donc, normalement, je peux exécuter le code qui se passe là. Donc, ça va être du live coding pour certaines parties. On va espérer que ça a marché et que je ne vais pas m'humilier devant vous. Alors, j'exécute le truc. Ça marche. Donc, ici, j'ai ma petite liste de cris. Et ici, j'affiche le type de la liste. Vous le voyez là. Et ici, je fais une boucle dessus. Rien d'incroyable. Ce qui est très choupinet, par contre, c'est que si je fais une liste, ça marche. Mais si ici, je commente cette petite liste-là et que j'utilise un set, eh bien, ça marche aussi. Si jamais je mets un petit dièse ici et que je fais un tuple, ça marche aussi. Et si je mets ici un dictionnaire, ça marche aussi. Pourquoi ça marche? Parce qu'ici, chacune des structures données que vous avez sont itérables.
itérable parce qu'on peut prendre un élément de cette structure et continuer, un élément de cette structure et continuer, un élément de cette structure et continuer. Et ça, ça a l'air de rien. Mais ça veut dire que les quatre structures de données qui sont au-dessus chez vous, eh ben, en dessous, vous pouvez les traiter de la même façon sans vous soucier de comment ça fonctionne. Et en Python, on aime bien donner des noms un petit peu rigolos aux choses, et on a appelé ça le duck typing, vous savez, ce qui fait le bruit d'un canard, ce qui marche comme un canard, blablabla, le canard. Eh bien, c'est exactement le principe ici. Et le duck typing, eh ben, en Python, ça se traduit par cela. Je vais faire une petite exécution ici de ma liste, et là, regardez ce que fait la boucle for derrière. Ça, je vais vous le faire en manuel, ce que fait la boucle for sous le capot. La boucle for prend mon objet qui est donc itérable, et il appelle iter dessus, qui est une fonction que tout le monde peut appeler, hein, vous pouvez l'utiliser dans votre petit shell. Et vous récupérez un objet, là je l'ai mis dans sauce magique. Hop. Si je fais un type sur cet objet, regardez ce que je récupère, c'est ça qui est intéressant. Je récupère un nouvel objet qui s'appelle un itérator. L'itérator, c'est le pendant de l'itérable. En fait, quand on a le pattern itérator, on a toujours deux objets, l'itérable, notre collection, et l'itérateur, celui qui permet de prendre les objets de cette collection. Donc derrière la boucle for, à chaque fois que vous faites une simple boucle, vous avez un iter qui fabrique un nouvel objet qui s'appelle l'itérateur. Et cet itérateur, si on lui fait next dessus, il vous donne le prochain élément. Si on fait encore next dessus, il vous donne le prochain élément. Si on fait encore next dessus, il vous donne le prochain élément. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais regardez, exactement comme pour tout à l'heure, si je change complètement et que je décide de commenter un des éléments là, et je passe au dictionnaire, je réexécute, je reprends mon itérateur, je retape le type. Vous voyez que j'ai un itérateur qui est différent ici, dict k-itérateur, parce que l'itérateur, il doit fonctionner en fonction de l'itérable. Chaque itérable est différent, un dictionnaire ne se comporte pas du tout de la même manière qu'un set qui ne se comporte pas du tout de la même manière qu'une liste. Donc pour prendre le prochain élément d'indico, c'est pas le même mécanisme que pour prendre le prochain élément d'une liste. Mais pour vous, ça n'a aucune différence. Pour vous, ça n'a aucune différence parce que, grâce à ce design pattern itérateur, eh bien, on récupère un objet itérateur qui, lui, va vous permettre de faire next, next et next. Alors, s'il y a des informaticiens un peu taquins, et c'est généralement quelque chose qui va ensemble, eh bien, vous allez me dire, si on fait un quatrième next, il se passe quoi? Parce que là, on n'a que trois éléments dans notre élément. Exactement. Nous avons ici un quatrième next qui va faire un stop itération. Donc, si vous réfléchissez bien à ce que ça veut dire que la boucle for en Python, c'est un gros try except. Votre boucle for va faire un iter, next, 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 dans un try except, et quand il voit l'exception, il l'attrape, et ensuite il sait qu'il sort de la boucle. Alors, si vous avez fait d'autres langages, on vous dit surtout n'utilisez pas les exceptions pour le contrôle de flux, c'est que pour les erreurs, c'est que pour les trucs. En Python, chaque boucle for, pouf, une exception. Ça ne dérange personne. Alors normalement, vous n'avez pas à gérer ça à la main, je vous rassure tout de suite, hein, la boucle for justement le fait pour vous, c'est tout l'intérêt de ce mécanisme. Voilà. Mais pourquoi on a ce mécanisme? Eh bien parce que grâce à ça, ça nous permet d'avoir une interface universelle pour absolument tout. Alors vous allez me voir jeter un petit coup d'œil régulièrement à l'écran ici, parce que je veux savoir si je suis à l'heure, et j'ai oublié de lancer mon chrono il y a 10 minutes. Donc j'espère que je vais être bon. Alors, ici là, si je fais une boucle for sur range, qui n'est pas quelque chose qui retourne une liste en Python 3, mais qui est un objet particulier, eh bien ça marche, logique. Si je le fais sur une chaîne de caractères, eh bien ça marche. Si je le fais sur un fichier, bah ça marche. La boucle for se tamponne le coquillard avec une patte d'astrakhan femelle de savoir quel est le type d'objet que vous avez à l'intérieur. Et ça, c'est merveilleux. Ça, on en mangerait. C'est incroyable. Alors pourquoi c'est incroyable? Regardez un petit peu. Tous les itérables sont compatibles entre eux. Ça veut dire que là, j'ai un fichier, je le passe à une liste, et paf, mon fichier est transformé en liste. Je continue, je prends mon range, je passe un tuple, aucun problème. Mon range est transformé en tuple. Je continue, je passe un set, une chaîne de caractères, pas de problème, ma chaîne de caractères est transformée en set. Et ça, c'est gratiné, mais ça marche, parce qu'on a ce même protocole, cette idée que on a une collection et on prend un élément, on lui applique un process, on prend un élément, on lui applique un process. Vous avez remarqué, je me répète pas mal, mais bon, c'est une conférence sur les boucles, après tout. Alors, hop là. Et alors, l'intérêt, c'est que si je peux utiliser un itérable comme un autre itérable, ça veut dire que si une fonction part du principe que vous êtes un itérable, eh bien, elle aussi, elle peut fonctionner de la même manière
avec tous les itérables. Regardez sum, c'est la fonction la plus bête du monde. J'allais dire un mot bien plus intéressant, mais j'ai réalisé que j'étais filmé. Donc c'est la fonction la plus stupide du monde. Et si jamais je lui passe une liste d'entiers, elle en fait la somme. Alors ça, c'est ce qu'on voit à peu près dans tous les tutos de Python. À un moment donné, on fait une petite somme avec une fonction. Sauf que somme, en fait, n'attend pas du tout une liste. Somme attend n'importe quel itérable d'entier. Et à partir du moment où vous avez un itérable, même pas d'entier, en fait, de nombre, d'une manière générale, si vous avez un set, eh bien, ça va marcher avec somme. Si vous avez un range, eh bien, ça va marcher de la même manière. Si vous avez, hop, map int sur 1, 2, 3, bah ça va marcher exactement de la même manière. C'est assez sympathique. Et en fait, vous avez énormément de fonctions qui sont soit dans les bulletins, soit dans la librairie standard de Python, qui sont pensées juste pour fonctionner sur les itérables. Tout le langage a pensé à vous de ce côté-là. On s'est dit, eh ben écoutez, des itérables, on va en avoir un paquet. De toute façon, la plupart de nos collections, on veut pouvoir traiter tous les éléments d'un coup. Donc, on a fait en sorte que les fonctions acceptent n'importe quel itérable. Sortid, par exemple, vous permet de trier une liste. Si vous le passez un set, les sets par défaut n'ont pas d'ordre. Eh bien, vous passez un set à sortide, aucun problème, c'est un itérable, paf, ça marche. Vous prenez filter bool que vous balancez à un tuple de derrière, dans lequel vous mettez des valeurs pseudo-booléennes que vous passez une liste, mais ça marche, aucun problème, regardez, paf, il m'a filtré tous les éléments qui sont négatifs dans un contexte booléen. Et alors là, le grand dialogue, hein, si vous avez commencé en Python et que vous venez d'un autre langage, vous vous êtes dit, mais what the fuck, pourquoi la fonction John, elle est à l'envers? C'est un truc que tous les débutants en Python se sont demandé. Hein. Moi, le premier, je venais du monde PHP, j'ai fait alors mon petit array join, mon array explose, implode, tout ça. Et puis j'arrive sur Python et le machin fonctionne complètement à l'envers de mes attentes. Au lieu de partir de l'array et de lui passer une chaîne, on part de la chaîne et on lui passe l'array. Sauf que là, regardez, je ne passe pas un array. Je passe un fichier, mais ça marche. Parce que la raison pour laquelle on a créé cette interface dans ce sens-là, c'est qu'à droite, on accepte n'importe quel itérable et que donc join fonctionne avec toutes les collections qui implémentent cette interface. Alors, comment on sait qu'une collection implémente cette interface? Et ça, c'est la partie rigolote. C'est que on peut faire iter dessus. Et c'est à peu près la seule manière que vous puissiez savoir ça. Donc, il faut essayer. Dans les autres langages, on a en fait des interfaces iitérables, iénumérables, etc., ce qui nous permet de le dire. Python a une interface qui est de donner quelque chose quand on fait iter dessus. Mais cette interface, elle est implicite. Alors, ceux qui connaissent le Zen of Python doivent un peu rigoler, là. Hein, explicit is better than implicit, tout ça, où est-ce qu'il est passé? En fait, Python se torche allègrement avec son propre Zen, très, très régulièrement. J'aime beaucoup Python, c'est mon langage favori, j'en vis au quotidien, hein, mais il faut être très réaliste. Le pep8 dans la base, dans la stdlib, on ne le respecte pas nécessairement. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas correctement. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas respecter le Zen of Python, c'est une très très bonne habitude, hein, y a plein de très bonnes choses dedans. Mais sachez-le, le doctyping, c'est exactement ça, c'est de l'interface implicite. Et donc on a une interface ici, être un itérable, et on a une autre interface, l'itérateur, qui prend votre itérable et qui prend un élément, qui lui applique un process, vous avez compris le principe. Ok, je fais la même chose avec enumerate, et je numérote tout ça. Ici, là, on aborde un truc encore un petit peu plus intéressant. Vous avez un module en Python qui s'appelle collection. Et toutes les collections ici, d'une manière ou d'une autre, sont des itérables et acceptent des itérables en entier. Regardez par exemple counter. Quand vous faites des stats, vous allez compter des choses, les grouper, vous voyez quelque chose d'unique, et à chaque fois que vous le recroisez, en tout cas quelque chose qui est similaire, vous allez incrémenter un compteur. On a tous fait ça à un moment donné, ne serait-ce que pour des exercices pédagogiques. Vous incrémentez un compteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En général, on fait ça à base de dico. On fait ça avec un dictionnaire, et on incrémente les valeurs qu'on trouve dans la clé. Counter vous fait ça gratos. Sauf que counter, vous lui passez un itérable, et non seulement il le fait gratos, mais en plus il le fait automatiquement. Là par exemple, si je lui passe une chaîne de caractères, la chaîne de caractères est itérable, l'élément unique d'une chaîne de caractères, c'est la lettre, et donc il va compter les lettres, et il va me donner leur fréquence. Automatique, parce que c'est un itérable, et bien sûr ça marche avec n'importe quel itérable, vous passez un fichier là-dedans, il vous montre les lignes, et il vous compte les lignes uniques, etc., etc. Toutes les collections qui sont dedans sont très intéressantes. Je vous reconseille, si jamais vous n'avez pas trop joué avec collections, vous tapez dans DEC, DEFODIC, OrderDIC, NEMTUPE. Ce sont des collections qui sont très intéressantes, qui ont tous des usages vraiment sympas. Counter est quand même une de mes favorites, et le DEC aussi est fantastique. Jetez-y un petit coup d'œil. Autre chose, dans la bibliothèque standard, en bulletin, vous avez les fonctions any, all, max, min, reduce. C'est des fonctions qui, vous l'avez compris, prennent n'importe quel itérable. Any prend un itérable de booléen, et puis vous retourne si l'un d'entre eux est vrai. C'est une sorte de super ou.
all, bah, ça prend un itérable de booléen et ça vérifie s'ils sont tous vrais. C'est une sorte de super end. Et puis, bah, vous avez max qui vous donne le maximum d'une valeur, min qui vous donne le minimum d'une valeur, reduce qui vous donne des mots de tête. Bref, voilà. Plein de choses intéressantes. Voilà à quoi ça marche. OK. Alors, les itérables, on peut passer la journée à essayer de tartiner, décortiquer la stdlib pour voir. Hein, il y en a partout. Byte est un itérable qui accepte des itérables. Reader accepte un itérable et retourne un itérable. Host.walk vous prend un chemin et vous retourne un itérable. Multiprocessing.pool, bah, lui, vous lancez une liste de tasks et il va vous permettre d'itérer sur les résultats de manière asynchrone. Cursor vous permet de vous connecter à une base de données et d'itérer sur les résultats. Et Elementary, c'est pour de l'XML et vous pouvez itérer sur les enfants du XML. Il y a des itérables partout en Python. Et puis, bah, pas seulement dans la stdlib, vous vous doutez bien que puisque Python est si bien organisé pour ça, on va utiliser bah, ces outils pour construire d'autres outils. Et donc, bah, si vous installez des bibliothèques extérieures, Django, SQL, Alchemy, Penny, donc d'une manière générale les ORM, vous allez voir qu'on a des itérables partout, hein, on fait des query sets et ce genre de choses. Vous écrivez un petit serveur web, bah, en Python, le standard c'est du WSGI, et devinez quoi, quand vous renvoyez une réponse, eh ben, c'est un itérable de string. Et oui, il y a des itérables absolument partout. Alors, quand on a beaucoup d'itérables, quand on a un marteau, bah on aime bien considérer que tout est un clou. Et Python vient donc avec un module spécial itérable. C'est le module iterTools. On ne va absolument pas regarder iterTools en entier pendant cette présentation, parce que c'est un très très gros bébé. Mais regardez, je prends iterTools, je lui passe deux itérables, il me les chaîne comme si c'en était qu'un seul. Je prends product, il me fait une double boucle imbriquée sur mes deux itérables, et il me permet d'éviter deux forts. Je prends cycle et il permet de tourner à l'infini sur mon itérable. On tourne encore et encore. Bon, j'en ai fait que 4 parce que si jamais je fais une boucle fort là-dessus, ça me fait une boucle infinie et ça tue ma présentation. Mais en l'occurrence, voilà l'idée. Vous avez un A, B, C. Bon, il y a énormément d'outils dans iterTools. OK. Alors, je vous ai parlé jusqu'ici de la bibliothèque standard. Je vous ai parlé des autres bibliothèques externes. Mais l'itérabilité, c'est aussi appliqué à la syntaxe. Et aux alentours de Python, je ne sais plus, l'unpacking, c'est arrivé quoi, de Python 2.5, quelque chose comme ça, non? On a créé quelque chose de merveilleux dans Python, l'unpacking. Alors, l'unpacking, c'est ce fameux truc qu'on vous montre, vous savez, dans les premiers tutos sur Python. Regardez, c'est trop cool. On a deux variables à gauche, deux éléments à droite dans mon tuple. Si je fais ça, pam, je récupère l'élément 1 dans X et l'élément 2 dans Y. Et ça a l'air super cool, ça n'a pas l'air très complexe, mais ça a l'air très cool. C'est aussi ce fameux truc qu'on vous montre, on peut vous dire, regardez, A et B égale B et A, on inverse deux variables, regardez comme Python est trop puissant. Mais ça n'a pas l'air démentiel hein, sur le papier, comme ça, l'unpacking. Bon, voilà. Si je vous lance ça, l'unpacking, c'est aussi ce qui permet de donner cette jolie illusion qu'on retourne deux valeurs dans une fonction Python. Ce n'est pas du tout le cas, mais on ne retourne pas deux valeurs, mais on a effectivement cette impression-là, parce que bah, on a un tuple ici. Les parenthèses ne sont pas obligatoires dans le tuple. Hein. Sachez que l'opérateur du tuple, c'est la virgule, pas les parenthèses. Les parenthèses ne sont là que pour retirer l'ambiguïté. Et donc, du coup, quand on fait un point et qu'on fait un return ici, bah, je peux unpacker parce qu'ici, j'ai un tuple. Bien. OK, c'est sympathique, c'est mignon, etc. Ça a l'air chouette. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment derrière? En fait, l'unpacking accepte n'importe quel itérable. Alors maintenant, vous avez dû voir que ça commence à être intéressant quand même de pouvoir accepter n'importe quel itérable. Bah déjà ici, je récupère mes trois éléments de liste. Regardez ici, je récupère mes trois lignes de fichiers. Ah, nickel, ça marche sans problème. Et ici, regardez, avec cette petite étoile, je peux dire, je prends le premier élément. Bon, alors là, l'étoile est floue, je suis désolé, mais imaginez, il y a une étoile ici, c'est quasiment une constellation, même une galaxie, l'étoile est magnifique. Donc vous avez une étoile sur le B, et ici, vous avez une lettre D. L'étoile, ça veut dire collecter tout ce qui est entre les deux, tout ce qui reste. A, c'est le début, D, c'est la fin. Et si je fais ça, eh bien, A contient le début, D contient la fin, et B contient tout ce qui est au milieu. Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas fait ABC, c'est juste que j'ai fait un mauvais copier-coller à un moment. Voilà. OK. L'unpacking permet aussi de prendre un itérable quelconque et d'éparpiller ses composants comme autant de paramètres d'une fonction. Et donc, vous prenez print comme ceci, et ça vous permet de faire exactement la même chose que si j'avais fait print comme cela. Ça marche avec n'importe quel itérable. Et donc, je peux faire ça. Et bim, ça marche aussi avec print. Ça vous permet également, dans les versions les plus récentes de Python, de prendre des itérables quelconques, de les balancer à l'intérieur d'un littéral d'un autre itérable, et de combiner tout ça joyeusement comme une grosse soupe, et bam,
vous avez une nouvelle liste qui est composée du reste. Ça marche aussi avec les dico au passage, si vous en avez marre de faire des updates à tout bout de champ. C'est très très chouette. Hop là, continuons. Là, autant les versions précédentes, je suis à peu près sûr que vous les avez tous vues d'une manière ou d'une autre, brièvement quelque part. Autant ce que je vais vous montrer, il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui vont savoir que ça fonctionne. Regardez, je prends un pixel ici, imaginez que ça, en fait, c'est une liste de pixels RGB. Bon, j'ai pas voulu mettre des véritables numéros parce que je ne voulais pas perdre tout le monde. Mais grosso modo, imaginez qu'on est dans une image et qu'on veuille inverser le RGB. On veut inverser le R et le B. On veut inverser le rouge et le bleu derrière. Parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent, il y a plusieurs modes de propagation des couleurs. Hop. Hop là, je prends un slicing et un autre slicing, ici et là, je mets un petit unpacking devant, je fais ça, pouf, allez, vous allez me dire, vous pensez que ça ne marchera pas, ça c'est pas possible, mais ça marche très bien. Alors par contre, mon OS marche un peu moins bien, ça c'est autre chose. Voilà, et pouf, inversé, bleu et vert, vert et bleu, bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge. Et cette opération là, elle a l'air magique, mais elle n'est pas juste magique sur le papier. Hein. Derrière, l'implémentation est ultra rapide, c'est du C. Et ça fait ça, mais alors une petite vitesse, c'est la manière la plus rapide de faire. Il y a d'autres manières de faire cet échange, mais c'est la manière la plus rapide de faire en Python. Ça consomme quasiment rien en mémoire, ça consomme quasiment rien en CPU. C'est fantastique. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser souvent au quotidien, mais sachez-le, l'unpacking, ça envoie du pâté pour pas mal de choses. Mais bon, l'intérêt de l'unpacking au final, pourquoi je vous en parle? C'est pas pour vous la péter à une conférence ou à une code review, hein. C'est parce que l'unpacking, c'est ce qui vous permet de garder tous vos éléments à l'intérieur de vos collections jusqu'au dernier moment. De ne pas vous dire « Ah, oh, j'ai besoin de tout extraire parce que je vais m'en servir ». Vous pouvez les balader comme des collections et au moment où vous en avez besoin, paf, vous unpackez. Pas besoin de manipulation complexe. C'est le grand, on va dire, égalisateur de l'itération. Ça vous permet de récupérer des choses d'un itérable sans trop vous soucier de comment ça se passe. Parce que les itérables ne sont pas tous indexables. Vous savez, les listes, on peut faire crochet de zéro et récupérer le premier élément. Mais un fichier, vous pouvez toujours vous brosser. Hein. Eh bien... Quand on a un itérable, on peut tous récupérer le premier élément de la même manière. Ok. Alors là, on attaque un petit côté un petit peu plus sympathique. Jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'était des choses, on va dire, qui vous permettaient de vous introduire, de vous chauffer un petit peu à cette notion d'itérabilité. Mais il y a un sujet, hein, et je veux arriver quelque part, je ne vous essaye pas juste de vous brosser avec la boucle fort pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas l'idée, non. L'idée, c'est que ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de cette session, vous voyez votre programme non plus comme une suite d'instructions, mais comme un flux de données qui passe sur lequel vous appliquez un processus. Ce que je voudrais, c'est que vous appliquiez la philosophie de l'itération qu'on va voir ensemble à vos prochains codes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Eh bien, prenons d'abord un exemple un petit peu bateau, mais au moins productif. Je vais entrer la commande ifconfig sur mon ordinateur. Alors, je vous promets, ça c'est du code qui tourne en temps réel. Et je viens de réaliser que je n'ai pas beaucoup de connexions, donc on n'aura pas beaucoup de réseau, mais on va voir ce que ça donne. En lançant subprocess check output, je lance la commande ifconfig et je récupère sa sortie. Et normalement, ça devrait me donner un listing de toutes les interfaces réseau dans mon ordinateur derrière. Je prie, oui, ça marche. Et là, donc, vous voyez le nom de l'interface ici et quelque part là, vous avez une adresse IP de pour quand il y a une connexion. Alors là, les deux seuls qui sont connectés, bah, c'est Docker parce que c'est une interface virtuelle et bah, c'est mon loopback interne bah, parce que j'ai pas de Wi-Fi et j'ai pas d'Ethernet qui est connecté. Bon, maintenant, supposons que là, je veuille récupérer le contenu de ça. Je veuille, on va dire, toutes les interfaces qui ont une adresse IP. Et je veux un mapping entre nom d'interface, nom de l'adresse IP. Ben, je peux invoquer mon petit subprocess, et puis je peux créer une petite regex pour parser tout ça. Et puis, ben, si je le fais à la main, hein, normalement, c'est un code assez ballot. Vous avez ici une interface, vous avez ici un petit dictionnaire concret. Je fais un petit split pour les lignes, je fais ma petite boucle for. Je vérifie si ADR est dans le bloc que je suis en train de regarder, parce que s'il n'y a pas ADR, il n'y a pas d'adresse IP. Et puis derrière, je match ma regex, et puis je remplis mon dictionnaire. Simple, efficace, facile à comprendre. Normalement, c'est le genre de code qu'on écrit au quotidien. Mais ce qu'on vient de voir là, c'est filtrer quelque chose et le transformer. On avait quelque part un itérable, qui était cette espèce de liste de blocs de texte. Et cet itérable, on le filtre en ne gardant que ceux qui sont ADR. Et ensuite, on récupère quelque chose, qui est l'adresse qui est dedans, et on crée un nouvel itérable, en l'occurrence notre dictionnaire, à la base de ce qu'on avait déjà. Et bien cette opération, qu'on a popularisée en l'appelant MapFilter à l'époque où le Big Data a commencé, et CouchDB avec eux ça... Bref, cette opération de filtrer et de mapper sur un contenu, c'est tellement pratique que Python en a fait une syntaxe qui nous permet de faire ça hyper rapidement.
une boucle for sur une seule ligne qui vous permet de générer une donnée, c'est les fameuses listes en intention. Et ce que je viens de vous montrer là, si jamais vous le faites hop, ici, vous pouvez le faire en une ligne. Alors, derrière, pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que ça, c'est la boucle for ici, que j'ai là-haut. Ça, c'est mon filtre. Et ça, derrière, ça me retourne un tuple. Et ce tuple, il est itérable. Et ça, ça me retourne une liste. Et ceci, c'est un itérable qui contient des itérables. Et dictionnaire est compatible avec les autres itérables. Et vous créez un dictionnaire à partir d'itérables, d'itérables. La boucle est bouclée, on a des itérables partout. On commence à être super content de notre piscine d'itérables. Pourquoi c'est intéressant, cette histoire ? Eh bien, parce que ici, là, cette idée de faire des transformations, c'est-à-dire de prendre un flux de données et de le transformer en un autre flux de données, eh bien, c'est comme ça que vous pouvez traiter beaucoup de programmes. Alors, pas tous, il ne faut pas déconner, mais beaucoup de programmes. Ici, là, ce que je suis en train de vous montrer, en fait, on peut le faire pour plein de choses. Et Python fournit les outils pour ça. D'abord, les fameuses intentions qu'on vient de voir. Ça, ça permet de calculer tous les carrés jusqu'à 10. Hop, enfin, pas jusqu'à 10, jusqu'à 9, en fait. Et ça vous crée une liste. Je peux faire la même chose avec un dictionnaire. Et je peux faire la même chose avec un set. Ça, c'est les outils de base que Python vous file. Et si vous regardez bien, intention à un S n'est pas une faute d'orthographe. C'est parce qu'on parle d'intention mathématique et pas d'intentionnalité, n'est-ce pas ? Mais si cette syntaxe est pratique, même s'il ne faut pas en abuser, on peut très vite en faire des très très longues et illisibles, ce n'est pas le but de la présentation. Le but de la présentation, c'est le slide suivant. Quand vous prenez la même syntaxe, mais que vous utilisez ici des petites parenthèses, vous n'obtenez pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La première, là, vous voyez, si je lançais ma première, je tuerais ma machine. Parce que je créerais quelques petits millions de carrés que j'essaierais de faire tenir dans ma pauvre RAM, qui est certes bien velue, mais quand même pas suffisante pour pouvoir tenir tout ça. Et je n'ai pas nécessairement besoin de tous ces chiffres pour les traitements que je veux faire de manière suivante. Mais regardez si je lance celle-ci, là. C'est instantané, temps constant. Les performances sont fantastiques. Et vous savez pourquoi les performances sont fantastiques ? Parce qu'il s'est techniquement absolument rien passé. Parce que mon objet res ne contient en aucun cas les chiffres que j'ai essayé de calculer. Mon objet res contient un objet qui s'appelle un générateur. Et l'objet générateur, eh bien c'est un objet qui est itérable. Vous pouvez, je pense que vous avez compris maintenant, vous devez le savoir, prendre un élément, lui appliquer un traitement, prendre un autre élément, lui appliquer un traitement, et prendre un autre élément, lui appliquer un traitement. Mais il y a une différence fondamentale avec ce qu'on vient de voir avant. C'est que le générateur n'est pas une collection. Le générateur est un algorithme, mais c'est un algorithme qui implémente le pattern itérateur. Et là, c'est chouette. Pourquoi ? Parce que quand vous implémentez le pattern itérateur, vous pouvez faire next derrière et vous obtenez un résultat. Vous pouvez faire next derrière et vous utilisez un résultat. Et vous pouvez même appliquer une boucle for derrière et ça marcherait de la même manière. Donc là, vous avez non plus des données, mais un moyen de produire des données au fur et à mesure et sur lequel vous pouvez passer avec une boucle for. Et ça, philosophiquement, c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez générer des données encore et encore et encore. Et là, ce que fait le générateur, c'est ça. Quand vous lui faites une boucle for, vous allez lui demander un élément, il vous le produit au moment où vous le demandez, il vous le passe, il l'oublie. Vous le produit au moment où vous le demandez, il vous le passe, il l'oublie, etc. etc. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la suite ? Regardez, on va prendre un petit exemple de ce que ça peut être au niveau du flux de données. Je vais créer une fonction qui se connecte ici à mon historique de navigateur. Donc ici, là, vous voyez, j'ai un petit profil là qui va directement taper dans la base de données SQLite de Firefox. Alors, j'ai créé une session pour l'occasion, donc vous ne verrez rien de notre Safe for Work ici. Je vous rassure tout de suite. Et ici, donc, ça, vous pouvez faire ça chez vous. Tout Mozilla est basé sur des technologies libres et donc l'historique est stocké dans du SQLite. Et derrière, je me connecte derrière et je fais cette petite invocation SQL qui, grosso modo, fait un petit join pour récupérer les sites que j'ai visités et le nombre de fois que je les ai visités. OK. Ça retourne un itérable. En fait, ça retourne même quelque chose qui est semblable au générateur. Pas exactement pareil, mais semblable. Et là, regardez ici ce que je fais. J'ai à gauche
une parenthèse, et à droite, une parenthèse. Donc, ceci va me générer un générateur. Et donc, si je fais ça, je prends tous mes résultats que j'ai chopés de la base de données, je récupère, vous voyez, DomVis, c'est domaine et visiteur. Mon domaine, je l'inverse, parce que pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont stocké ça à l'envers dans la base de données. Je vous promets, hein, tous les noms de domaines sont à l'envers. Bon, ok. Donc, je les inverse, comme ça, je récupère mes noms de domaine dans le bon sens. Bien. Ici, là, je continue. Et je décide de refaire un petit coup. Je prends un itérable, et cette fois-ci un set, de noms de domaine que je veux retirer du listing, parce que je sais très bien que les moteurs de recherche, c'est les trucs que j'aurai le plus qui va apparaître dans mon listing, ça ne m'intéresse pas. Et comment je fais ça? Je fais pareil, encore une liste en intention, sauf que ici, je fais un filtre, et regardez la petite fonction any, là. Vous vous rappelez, elle prenait n'importe quel itérable. Mais elle prenait n'importe quel itérable de booléen. Et là, je fais un itérable qui va me retourner un booléen avec in. In qui accepte aussi n'importe quel itérable. Donc là, on commence à avoir un itérable ici, ici un itérable qui regarde dans un itérable pour filtrer un itérable. Attention, on continue. Itertools, je vous en avais parlé derrière. Itertools prend n'importe quel itérable et peut lui appliquer quelque chose. Et ce petit slice là, il va me permettre de limiter mon itérable à 5. Mais la beauté d'Itertools, et c'est pour ça que c'est une bibliothèque fantastique, c'est qu'Itertools n'a pas besoin de connaître la taille de votre itérable pour limiter à 5. Donc ça veut dire qu'il va générer les 5 et après s'arrêter de générer quoi que ce soit. Et c'est ça la beauté d'Itertools, ça fonctionne avec n'importe quoi. Maintenant, du coup là, si je fais ça, ici, quel code a été exécuté? 0. Que dalle! Quand je suis là, j'ai fait tout ça pour rien. Rien d'ici ne se passe. Et ça, c'est vraiment... Ça a l'air d'être un petit peu stupide, mais en fait, c'est vraiment la partie merveilleuse de la chose. C'est-à-dire que quand je fais ça, il ne s'est rien passé. Aucun code n'a été exécuté, mais j'ai fabriqué un objet qui, lui, va générer ce code. Mais pourquoi c'est intéressant? Eh bien, regarde. Je vais lancer un petit next, là. Et là, quand je fais ça, poum, tout s'active. Mais tout s'active depuis le début. J'ai getResult qui va me récupérer le premier résultat et qui va partir dans le pipe ici et immédiatement être inversé, partir là dans mon filtre, revenir là, être slicé automatiquement par Itertools pour arriver ici et stop. Tout mon pipeline s'arrête. Mes tuyaux que j'ai connectés les uns après les autres font transiter un seul élément à travers tout le tuyau que j'ai mis en déclaratif derrière. Et ça s'arrête. Et je recommence, et je fais un autre next, et paf, deuxième élément qui est piqué là-haut, qui repasse à travers tous mes tuyaux, et qui revient s'afficher ici. En lazy, en paresseux, à la dernière minute, au fur et à mesure que je le demande, sans stocker tout en mémoire. Juste quand j'en ai besoin, comme j'en ai besoin. En fait, on est un petit peu comme dans Bash, pour ceux qui font un petit peu de shell, vous savez, on peut faire du cat, on peut faire du grep derrière, et on peut chaîner comme ça, piper, plein de commandes les unes derrière les autres pour pouvoir les filtrer au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. On est en train de prendre plein d'éléments et les emboîter, des espèces de petits filtres, des petits tuyaux, et on est en train de faire couler le flux de nos données à l'intérieur. Et ça, c'est très très joli. Juste une question. Oui. Sur la partie select au niveau base de données, oui. À ce moment-là, il y a quand même en mémoire... Il y a un buffer, bien sûr. Là, c'est un exemple académique, c'est pour garder le jus. Ne me casse pas ma présentation, s'il te plaît. Oui, bien sûr qu'il y a un buffer, évidemment. Oui. OK. Et alors, évidemment, qui dit iter et next dit qu'on peut faire une boucle for. Hein, donc, je peux terminer tranquillement jusqu'à la fin. Hop, mes nouveaux petits affichages. Alors, j'ai reseté, donc ça se trouve, je n'ai que 4 résultats. Mais grosso modo, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps sur cette prose, hein, donc je suis sur localhost énormément. Ensuite, je l'ai uploadé sur GitHub, et puis j'ai eu une ou deux couilles, donc je suis allé sur Stack Overflow. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Allez. Et donc, j'ai pas parlé des générateurs, juste comme ça, pour le plaisir. Hein. Vous imaginez bien, certains qui sont devant, là, qui ont eu le regard dans le vide pendant quelques temps, parce qu'ils connaissaient déjà tout ça, ils savent où je veux aller. C'est-à-dire que vous emmenez sur le mot-clé Yield. Et le mot-clé Yield, c'est une perle de Python. Alors aujourd'hui, plein de gens essayent de le choper. Hein. Aujourd'hui, JavaScript va s'y mettre. Le C-Sharp est ce qui nous a inspiré. Le Yield, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu tendance. Et on va en parler tout de suite pourquoi. Regardez cette petite fonction. C'est une fonction parfaitement normale. Sauf qu'il y a 3 returns dedans. Et si vous avez un petit peu de programmation dans les pattes, vous vous dites pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était complètement bourré ce jour-là. Et si vous entrez le truc, comme prévu.
vous avez un print qui s'exécute, et puis vous avez un return 1, et puis après, bah, rien du tout, hein, le code est mort, ce qui est en dessous, on ne peut pas l'exécuter. Qu'est-ce qui va se passer avec Yield? Bim. Là, je fais la même fonction, mais j'utilise un Yield à la place. J'appelle ma fonction ici, fabriquer un générateur, et je print 13. Et vous savez ce qui ne va pas s'afficher? Absolument tout. On obtient un générateur, mais en aucun cas les prints ne se lancent. Pourquoi? Parce que quand il y a un yield dans une fonction, on n'a plus de fonction. En fait, quand vous écrivez yield, Python voit le mot-clé yield et dit « Ok, ça c'est pas une fonction, en fait c'est un générateur. » Et quand vous appelez votre petite fonction qui crée le générateur, le code du générateur ne se lance pas. C'est absolument contre-intuitif, mais c'est exactement ça. Le code du générateur ne se lance pas. Et donc, s'il ne se lance pas, comment le lancer? Eh bien, c'est très simple. Vous savez maintenant comment fonctionnent les itérables. Vous faites un next. Et là, pim, le premier print se lance, puis on arrive au yield. Et la magie, l'interpréteur Python, qu'est-ce qu'il fait? Il freeze complètement votre petite fonction générateur à l'endroit exact où vous avez yieldé, et il s'en souvient. Il le met de côté, il le garde, il le fossilise, il le cristallise. Hop là, celle-là, je l'ai piquée, c'est une réplique à un pote à moi. Ok. Et derrière, on refait un next. Et quand on refait ce next, regardez, on repart de ce yield-ci, celui où on s'était arrêté, on a ce print qui se réexécute, et on arrive au second yield, et c'est la deuxième valeur qui sort. On recommence, allez, avec une petite boucle for. Et donc, si on continue avec cette boucle for, vous voyez que j'ai cette continuité derrière, de cette boucle for qui me permet de passer de yield au yield. En fait, je viens de me répéter parce qu'il vient de me dire qu'il ne me reste plus que 10 minutes, ça m'a perturbé. Donc, ok. Donc là, ce générateur, ça vous permet de faire des choses mignonnes. Ce que ça vous permet de faire, c'est masquer un algorithme complexe derrière de l'itération. Vous allez pouvoir masquer de la logique en prétendant que c'est une structure de données. Et ça, c'est super sexy. Regardez, paf! Ici, là, je crée un générateur de petites clés. Hop, de clé secrète, et ben voilà, je fais du next, et je crée une clé secrète, hop, je recommence, je fais du next, et je crée une clé secrète. Pourquoi c'est sympa? Ben parce que je peux ainsi avoir un algo, mais les gens qui s'en utilisent, ben ils s'en fichent, eux, ils savent qu'ils peuvent juste boucler dessus. On peut même créer ses propres itérables avec, si vous créez une classe avec juste la méthode iter dedans, et que vous retournez un itérateur, et bien derrière, vous pouvez tranquillement l'utiliser exactement comme si on pouvait itérer. Là, on est en train d'itérer sur une instance de la classe machine à tuer, et je peux même le placer à iterTools parce qu'un itérable est compatible avec tout le reste de l'écosystème itérable autour. Et ça, bah, c'est merveilleux. Et regardez, on peut faire des trucs de dingue. Là, je prends listé mots-clés, je prends mon paf et je lui fais des globes et j'ouvre un fichier pour chaque ligne. Et derrière, je passe sur les lignes et je les split. Et derrière, je les join et je les filtre et je les yield. Je fais tout d'un coup, je suis ouf. Et là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Bah, je le passe à un compteur et bam, derrière, j'obtiens la liste des mots-clés les plus utilisés dans les fichiers de configuration de slash etc. C'était nickel. Non, alors l'intérêt vraiment que je suis en train d'essayer de vous montrer là, évidemment, c'est pas de vous dire, regardez, on peut péter le plus de code possible dans 5 lignes. Non, non, l'idée, c'est de vous dire que oui, tout cet écosystème d'itérabilité est compatible entre eux. Cette idée de flow, vous pouvez l'utiliser. Vous vous sentez mais vraiment super bien parce que vous commencez à être sur la vibe du flux de vos données. Vous êtes en train de maîtriser tout. Vous avez l'impression d'avoir le style comme cet enfant des années 90 qui croyait qu'il avait le style. Mais vous êtes tout seul devant votre ordi. Il ne faut pas déconner, hein, vous êtes un programmeur. Mais quand même, vous sentez que là, vous avez la maîtrise à fond et soudainement, vous importez NumPy. Bon, c'est un peu embarrassant, cette partie-là. Parce que NumPy est un joyau de Python, c'est quelque chose de fantastique, c'est ce qui fait qu'on a une énorme communauté scientifique, ça a des performances de dingue, mais ça veut dire aussi que tout ce que je vous ai appris auparavant part à la poubelle. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que NumPy, eh bien, c'est un moyen de gérer des arrêts de manière très rapide. Mais regardez, bah, si je fais ce petit code-là, là, derrière, ici, la manière avec des itérables à la main, ici, avec NumPy. Hop là, alors hop, bah, vous voyez que là j'ai 660 nanosecondes et puis là j'en ai 600. C'est pas du tout les mêmes perfs. Hein.
Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas les mêmes paires, bah d'abord, c'est parce que NumPy, ça déchire et que ça va super vite. Mais c'est aussi parce que à chaque fois que vous passez du monde de NumPy, toutes les structures de données sont en C. À chaque fois que vous repassez en Python, les structures de données sont des PyObjects énormes. Et donc, du coup, vous devez faire un boxing-unboxing entre les deux qui vous coûte super cher dès que vous faites une transition. Donc, ça veut dire que si vous avez du NumPy, non pas que tout ce que je vous ai montré soit inutile, mais vous allez avoir un coût énorme pour passer d'un monde à l'autre. Donc, essayez de les isoler au maximum. Voilà. C'était à peu près l'idée que je voulais vous faire parvenir là-dedans. Utilisez un flux de données, voyez vos données comme quelque chose sur lequel on peut itérer, connecter avec les morceaux les uns avec les autres. Pensez vos programmes différemment comme quelque chose qui coule et avec des bouts qu'on peut connecter les uns aux autres. Et regardez ça. Si on a un petit itérateur avec YED, là on a notre générateur, et que je peux faire des next dessus, je peux faire aussi autre chose. Regardez là, j'ai créé une liste, je prends mon générateur ici, mais au lieu de boucler dessus, je lui fais un send. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, là, la donnée arrive là-dedans. Et ça, ça n'a plus rien à voir avec l'itération. Au lieu d'avoir un pool, ce qu'on fait en itération, on récupère des données en les demandant. On a du push. Il y a un événement qui se passe et on arrive, on balance une donnée et elle ricoche, elle déclenche un autre événement qui rebalance une donnée. On peut faire la chose exactement inverse. C'est comme ça que fonctionnent les coroutines en Python. C'est comme ça que fonctionne async.io en Python. Et ça pourrait être peut-être l'objet d'une autre conférence. Mais en attendant, j'espère que j'ai un peu transformé la manière dont vous allez coder dans vos prochaines semaines. Merci beaucoup. Vous pouvez télécharger évidemment les slides, ils sont tous utilisables et ils sont tous téléchargeables, c'est sous licence libre, vous pouvez y aller, c'est du MIT. Il y a un repository, vous pouvez l'exécuter directement en ligne si vous le souhaitez. Et maintenant, eh ben, vous pouvez passer aux questions. Oui. En tant qu'utilisatrice de MumPy, j'ai l'impression que la philosophie pour profiter pleinement de MumPy, il faut aussi penser en vectorisation. Donc en fait, finalement, les philosophies qui sont assez proches. Oui, mais dans NumPy. D'agir globalement sur la totalité des données en une fois plutôt que itérer et faire des modifications une par une. Finalement, c'est pas les mêmes outils, mais au niveau philosophique, c'est pas si éloigné dans l'approche. Alors, il y a une différence fondamentale, malheureusement, c'est que NumPy a besoin de garder énormément de données en mémoire, alors que par exemple, le générateur, justement, n'en consomme pas. Mais oui, on a cette notion de flux de données à partir du moment où on reste dans le monde de NumPy. Et qu'on utilise tous les outils. Si on veut appliquer une sinusoïde, on utilise la méthode sin, et puis elle va l'appliquer automatiquement. Si on essaie de faire une boucle dessus, ça va marcher, mais ça sera très lent. Mais oui, effectivement, on a toujours cette itération, parce qu'au final, c'est que ça, en fait, nos processeurs, c'est des machines à itérer. Du coup, là, je me sens un petit peu intimidé, il n'y a pas de questions. Je suis sur scène, tout seul. Coupez, coupe. Oui. Parce que je ne vais pas itérer deux fois mon itérateur. Est-ce que tu as des conseils dans ce cas-là ? Alors, ça dépend comment tu veux appliquer deux fois ton flux de données. Est-ce que tu veux l'appliquer sous fenêtre glissante ? Est-ce que tu veux l'appliquer pair à pair ? Est-ce que tu veux les appliquer les uns en dessous des autres ? Est-ce que tu veux que ça soit l'un derrière les autres ? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je vois ton flux de données et que je te dise, OK, cette fonction-là est parfaite pour ça. Alors, j'ai un flux de dictionnaire. Ouais. Donc je vais avoir une fonction qui va s'intéresser à une clé du dictionnaire. Ouais. Une autre fonction qui va s'intéresser à une autre clé. Du coup, je vais a priori itérer deux fois à chaque fois pour récupérer la clé qui m'intéresse. Mais sur le dictionnaire, tu itères pour récupérer une clé? C'est un itérateur de dictionnaire. Ah, d'accord, effectivement. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je suis obligé de parcourir une seule fois pour récupérer à chaque fois les deux clés, faire les deux choses en même temps. Alors non, ce que tu peux faire, c'est créer un générateur. Donc tu utilises le mot-clé YELD. Et ton générateur, il va parcourir ton dictionnaire avec les clés. Et à chaque fois qu'il trouve une clé, il la YELD. Et ensuite, tu prends ton générateur et tu boucles dessus. Et comme ça, c'est comme si tu avais chaque résultat de manière séquentielle. Après, tu peux faire une fenêtre glissante là-dessus si tu veux avoir les éléments 2 à 2. Alors, pour une fenêtre glissante, tu peux utiliser un deck. Alors, évidemment, comme ça, là, juste à l'oral, c'est pas évident. Si j'avais la possibilité d'écrire un petit bout de code avec toi après, si tu veux, on le fera sans problème. Okay, ouais.
Ok, bah, soyez pas timide. Hein. Bon, après, j'ai envie de croire que c'est parce que j'ai tellement bien expliqué que vous n'avez rien à me demander, mais je suis quand même pas naïf à ce point. Bah, très bien. Bah, écoutez, c'est parfait. Et 18h30, je pense que les gens ont envie de rentrer, de manger, d'aller boire une bière, peut-être. Donc, du coup, je vous libère. Passez une très bonne journée, tous.